Intéressant. On lui imprimera ses petits rêves, hein. Ah, juste que je change le programme qui tourne. On peut pas utiliser I love you sur... Ah, que je ramène le chien aussi. J'aurai besoin du chien. Vincent est obligatoire, hein, tout à fait. Alors... c'est quoi la taille max de ça? Je pense que c'est plus petit que... On avait dit que c'était combien? C'était 40, hein? En train de me demander si... Un, deux, trois. Cinq, six, sept, huit, neuf. Ah ouais, non, non, c'est beaucoup plus petit, ok. Et en plus, ça se casse pas. Ah ouais, ça se casse pas si tu l'as pas tout dans la vision. Bon! C'est le moment de s'amuser. Il me l'a découpé en combien? Où démarre la deuxième ligne? Il m'a dit quoi? Nommé XY. Dans le titre des images. Non, parce que j'ai 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Ah si, c'est bon! Ok, je suis con. Non, non, mais c'est bon, c'est moi, je suis con. Ouais, c'est good, c'est good. Ok, on va commencer. On s'en fout, on commence là. Et on va le mettre ici. Oh, dame. Ça va être quelque chose. Non, je l'ai... Enfin, je vais pas les remettre ici, je vais les mettre ailleurs. Êtes-vous prêts? On va mettre un peu de temps pour le faire, mais ça va être worth it, hein. Attends, est-ce que je me trompe ou pas? Je crois que je me trompe. Parce que t'as mis X et Y, hein, c'est ça. Ok, je me trompe. C'est dans l'autre sens. Donc faut que je prenne 2, 5, c'est celle-là que je dois prendre. Ouais, ok, ça a plus de sens. Plus rapide à casser, je suppose. Faut que je regarde. Ouais, c'est bon, ça met du sens. Ok, donc c'est 2,5. On passe à 3,5.
Pas les visiteurs. T'es bourré ou quoi? Ah! Quatre cents, hein, c'est bien. Ah, il y a un max de 128, ok, comme ça c'est réglé. Maintenant, on a fait 2, 3, donc c'est 1, 5. Ça prend un peu de temps à faire. Mais écoutez... C'est important. Je sais même pas si on pourra la visualiser en entier, j'ai un doute. Ça va être un gigaflop. Allô, Discord? Ah, c'est dommage cette limite de 128, hein. Mais c'est pas grave, on le fait jusqu'au bout. Après, on aurait pu le découper en encore plus et le faire en petites images, on aurait pu le voir de loin. Presque, hein. Ah, c'est bon! Si on se positionne au milieu, on va pouvoir la voir en entier. Il y a un point dans lequel on va pouvoir la voir en entier. Le problème, c'est que là... Ok. Où sont les frames centrales? Ici. Je dispose les frames avant. Donc la suivante, ça va légèrement déborder, mais c'est pas grave. Ici, ici. Ok, donc maintenant, 1, 2, 3, 3, 4.
Ouais, la liaison se fait presque bien. Et quoi, je vais faire ça là-dessus aussi. Ah, je bloque avec la... Ah. Merde, c'est laquelle que j'ai fait? C'est la... Non, c'est la 2-4 alors que c'était... Ah, c'est pas la bonne que j'ai mis. On va la changer après. My bad. Quoi que si? Non? Si, c'est la bonne. Ouais, il t'attendait. Non, ouais, j'ai décalé d'un avant. Non, c'était bon. Non, 1-3. Là, c'est la 1-2 qu'il faut que je mette. Non, on a mis 5, 4. Non, c'est la 2, 3. My bad. Et la 2, 2. Oh, ok, ça va aller mieux. Quoique. Oh là là, attendez, je suis bourré. On a fait combien de rangées? On a fait la 5. Ensuite la 4. Non, là, on est à la 3. Hello, magie. Oui, on a fait la 5, la 4, on est à la 3. Donc c'est la 3-3 et la 3-2. Bah, j'ai fumé du mauvais shit à un moment. Là, ça a l'air de connecter. Et là, 3-2. Non, c'est pas bon. Attends, comment tu les as découpés, ton axe X? Oh, c'est pas le bon dans le bon sens. Dans quel sens tu les as découpés X? C'est comme ça. Moi qui suis bourré. C'est FF. Attendez, X. Donc non, je me suis trompé. Là, reprenons du bas. En bas, on était bon, hein, on est d'accord. Ah, mais même au-dessus, regarde, on est bon. Là, par contre, on n'est pas bon. Si, on est bon. Si, on est trop bon, là, regardez. Ok, donc là, on devrait être... Ouais, on est trop bon. On a fait laquelle, celle-là? Non, là, on devrait être à la... À la 2-3.
Oui, on est là 2-3. Is good, is good. Ça connecte, ça connecte. Faut qu'on refasse des frames. On doit scrap cette merde. Voilà. Ah mais on va bien avoir une position dans laquelle on va pouvoir voir tout, hein. C'est logique. Reste à savoir laquelle. Oh fuck, Tobo est là. Merde. Donc maintenant c'est 3-2. Non. 3-4. Non. 3-2. Non. Oui. J'ai fait combien de hauteur? Oui, c'est 3-2, c'est bon, c'est bon. Eh, je vous jure, c'est dur. Ok, ça correspond. Et ça, c'est 2-2. Non. Si. Ok, next. Oups. Ensuite, c'est 3-1 et 2-1. Bizarre, là, on les voit encore. Alors qu'on n'est plus dans l'angle. Bizarre. Ensuite, c'est 3-1. Et 2-1. Pourquoi là elle disparaît alors qu'avant elle disparaît pas? Je sais pas, c'est bizarre. Oups. C'est pas parce que je mets le format WebP. Oh, on a peut-être trouvé un moyen. Attendez, j'ai peut-être trouvé un moyen de feinter quelque chose. Maintenant, c'est 3-0. Ouais, let's go. Et 2-0. Attendez, je crois que j'ai trouvé un moyen de la voir de très loin. Ah non, ça marche pas. Il fallait qu'on soit. Y avait un moment où on voyait les deux extrémités? Non, hein. On va devoir feinter les. Après, ceci dit, regardez. Mettre au centre, hein.
Ah, c'est con ça. Faut faire une machine volante. Dirigeable publicitaire. bah, en vrai, ça va, hein. Ils se démerderont pour la regarder, mais par contre, s'il faut qu'on mette les autres. Go la faire en pixel art, bah oui. Oh, il y a Sunnyside Up! Je vais pouvoir kidnapper la fille de Tebow. Non, mais je vais lui dire. Je vais lui dire, Tebow, il m'a dit. Tebow. Dapper m'a dit que t'étais vénal. Et tu dors dans un putain de train. Allô? Maintenant c'est 1-4. Je lui dis viens dormir dans mon château. Kidnappé, mais bon. Un, trois. Faut que je prépare tout hein, pour qu'elle soit TP direct et que ça fasse bien. Un, deux. D'abord, on finit ça, là, on fait les choses bien. Oups. Je sais pas si je l'ai chopé. Voilà. Ah, hein? C'est bizarre, ici ça affiche pas celui-là. Vraiment, ça dépend de la position dans laquelle on est. Très bizarre. Et 1-0. Ok. Ça dépend du nombre de gens connectés. Ok. Merde, c'est un plus loin. Bah, je sais que sur le serveur, la render distance est dynamique.
Et du coup, là, c'est pareil pour ces affichages-là. Donc 0,4. On fait les choses bien jusqu'au bout. Hein. La bonne taille? Ouais. Et c'est juste... Là, j'ai pas parfait. Zéro trois. Oups. Donc 0,2 maintenant, je crois. Oui, quand elle est off-screen, elle dépop, mais il n'y a pas que ça. Néroin. Putain, c'est que du ciel en plus que je mets là. On n'a pas géré la brightness, mais fuck, hein. Ça crache. Pile au moment où j'ai validé le la frame. Merci Néophas. Ah, c'est vrai qu'il pourrait monétiser, mais pourquoi monétiser son trou, je veux dire Rien d'intéressant. Hein. Bon, pendant que ça redémarre. Pendant que ça redémarre, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau de faire des affiches publicitaires géantes pour montrer ce qu'on est à la recherche. Mais il y a une chose que j'ai pas besoin de chercher. C'est quelle montre je vais acheter, parce que évidemment, avec Holskern, le choix est vite fait, surtout que c'est encore le Black Friday. Donc en plus, vous en achetez deux, vous en avez une gratuite. C'est incroyable. Voilà. C'est pas comme Maximus que je cherche, là. Les montres, j'ai déjà trouvé. Je vais en commander une pour décembre, d'ailleurs. Je vais peut-être pas en prendre trois, mais qui sait, si vous avez plein de cadeaux à faire, là. Regardez, une pour vous. Une pour papa. Une pour votre chérie, parce que ça marche aussi. Boum, les femmes, vous pouvez acheter des montres aussi de femmes. Et voilà. Et vous aurez eu la vôtre gratuite incroyable. Profitez, hein, c'est bientôt fini le Black Friday, je crois. Ça finit quoi? Il reste 2 jours, 1 heure. Avec le code Black. Et si malheureusement vous regardez cette VOD, non pas en direct live, et qu'il ne reste plus que 0 jours parce que vous étiez occupé ce week-end. N'oubliez pas d'utiliser le code, évidemment, le code HyPierre, HyPierre15 précisément, pour avoir 15% de réduction. C'est au moins ça. Et voilà, et toutes les belles. Tiens, ils en ont sorti une. C'est presque pour la Saint-Valentin, celle-là. C'est quoi? C'est du bois de cerisier? Non, c'est en amarante et amarante. C'est de l'amarante. C'est sympa, c'est rose. Une montre rose, ça, c'est original.
C'est vrai qu'on n'avait pas trop regardé les femmes avec une plume de paon, enfin un design plume de paon derrière. On n'avait pas trop regardé les mondes des femmes la dernière fois. Mais voilà, pour ceux qui connaissent pas évidemment Holzkern, marque de montres autrichienne, ils font plein de montres comme ça. C'est leur spécialité. Avec la musique épique derrière, c'est absolument incroyable. C'est leur spécialité en. Ils font des montres en bois et en pierre, principalement. Voilà, là, vous voyez, hein, plein de montres en bois. Alors, il y a un peu de métal aussi. À des colliers, enfin, des bracelets en cuir, il y a un petit peu de tout. Des très jolies montres. On va regarder la gamme homme, hein, parce que mon chat, c'est 95% d'hommes, je sais. On avait déjà vu la dernière fois, mais voilà, je vous remontre. S'il y a des modèles qui vous plaît, n'hésitez pas. Point exclamation Holzkern, vous aurez le lien directement. Utilisez le code Black pendant que c'est le Black Friday. Comme ça, vous aurez des giga réductions. Mais sinon, utilisez le code AIPR15. Et ils font pas que ça. Hein, ils font aussi des petits bandelettes, des bijoux, des colliers, des bracelets, notamment pour mesdames. C'est bientôt Noël, c'est dans un mois, Noël, pile poil, puisqu'on est 25 novembre. Donc pensez à ça en avance. Sachant que. Il livre assez rapidement, mais il faut toujours être prévoyant. Vous connaissez la poste. C'est un morceau de plume de paon, oui, tout à fait. Attends, mais ça m'intrigue. Est-ce que c'était. Ah ouais, noyé et plume de paon. C'est vraiment avec une plume de paon dedans? Bah, pour le coup, c'est vachement original. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut et profitez du Black Friday, il reste que 2 jours. Je crois pas, ils font pas de montres connectées. C'est des automatiques, des solaires. Mais pas de montres connectées, non. Moi j'aime beaucoup ces designs-là. Bref, n'hésitez pas à aller checker sur la boutique. Et maintenant que nous avons vu toutes ces magnifiques montres, nous allons retourner à QSMP. Pam, pam, pam. Incroyable. Quelle beauté. Oui, il y a garantie. Garantie. 2 ans, je crois. Tu reçois le certificat de garantie quand tu commandes. Hop! Il n'y a pas de montre à gousset, je crois pas qu'ils en font. Je leur demanderai. Sponso 1 sur 3, c'est fait. Rendez-vous tout à l'heure au prochain crash pour la sponso suivante. Ok, donc on l'avait bien mis. Oups. C'est juste, il s'était pas mis du bon côté. Je vous redirai, le modèle que j'avais, moi, que j'ai au poignet, c'est. Je te dis ça tout de suite. J'en ai deux. Pas sur mon poignet présentement. Mais j'en ai deux et. C'est imminent. C'est la carbone en érable gris, gris foncé. Et l'autre, c'était. Imminent. Je trouve le lien pour le nom du modèle précisément. C'est la Morasco en érable gris foncé. Ok! Ouais, y a plus de musique. Bah non, mais on a fait le tour. Quoi, comment ça? Non, celle-là, on l'a déjà écouté.
Ok, donc du coup là on est tout en haut, on est en 0-0. Ça charge au fur et à mesure. Donc on a fait 1, non, 0, 1, 2. Trois. Il manque 4 et 5, hein, c'est ça? Ouais. Donc là, on est sur le 4. Et on est en 4-4. Vroom! Non mais là c'est pas la distance 128, je sais pas pourquoi ça rendeur pas plus loin. Alors qu'on a mis visible à 128, mais ça rendeur pas plus loin. Alors que même quand c'est dans notre champ de vision, on n'est pas à 128 blocs. Hein. Je sais pas comment ça calcule. Ouais, et là que ça disparaît, alors que tout à l'heure ça disparaissait pas quand on monte. Très bizarre, je sais pas sur quel. Même si c'était pas dans notre champ de vision avant. Bon, je sais pas sur quoi ça se base ces trucs-là. 4-2. Il aime pas, hein. Il aime pas du tout, hein. Les amis, connaissez-vous Yfood? Évidemment! C'est le Black Friday aussi! Point d'exclamation Yfood! Des gigas réduction. N'oubliez pas d'utiliser aussi le code Hyper-Twitch pour 10% si jamais c'est plus le Black Friday. Regardez Yfood, le repas à boire ici, caramel, beurre salé. J'ai aussi café froid, enfin café. C'est pas. Oui, bah il est froid forcément, mais c'est café moulu à froid. C'est quoi le nom déjà exactement? Oh ouais, non, mais le publicité, ouais, je l'oublie tout le temps. Non, mais c'est écrit partout, le publicité. Ils emmerdent l'État. Il hein. Y a aussi vanille, il y a plein de parfums. Point d'exclamation. Café glacé, hein, je pense que c'est ça, c'est cold brew. Point d'exclamation. Why food? C'est infusé à froid, bien vu. Vous avez tout ce qu'il faut, il y a plein de packs. Je rappelle, White Food, qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas le temps de manger? C'est repas directement à boire. Donc, c'est comme des milkshakes, ça vous procure un sentiment de satiété. Il y a plein de vitamines et minéraux, en tout 26 vitamines et minéraux. Il y a plein de protéines, de fibres, il n'y a pas de lactose, pas de gluten, pas de sucre ajouté. Ils ont aussi les petites barres céréales que je n'ai plus ici, mais les petites barres pour le matin, pareil. Qui permet, si vous n'avez pas le temps de déjeuner le matin, vous mangez ça et au moins vous n'avez pas l'estomac vide et vous partez avec plein de vitamines, des minéraux et des protéines. Donc tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à découvrir tout ça. Et je veux regarder avec notamment leur pack variété. Je ne sais pas s'ils ont le. Ils ont plein d'éditions différentes. Il y a même le pack découverte vegan. Le fudge brownie, le perfect pistachio. Bon, moi j'aime pas la pistache. Et ils font des poudres aussi pour les sportifs. Voilà, merci Yfood pour le sponsor, évidemment. Non, j'emmerde pas l'État, mais ils sont casse-couilles avec leur. Est-ce que ça change quelque chose de voir écrit publicité? Hein?
J'oublie tout le temps. Un jour, je vais me prendre une amende et je vais faire. Oh non! Zut alors. Ok! C'est bon, on est de retour. Le jeu s'est lancé. Bon, et après, juste avant de dormir, on parlera des matelas. Ouais, faudrait mettre publicité sur l'image de base, c'est pas bête. Ok, c'était laquelle celle-là? Oh, je sais plus, on verra la suivante. Comment ça laguait par ici, hein. Vous voyez là, par contre, ça me l'affiche. Alors qu'il n'était pas dans le champ de vision, c'est pour ça que je vous dis, c'est très bizarre. 4, 1. Lance le jeu une deuxième fois, non, ça marche pas comme ça. En fait, faut juste que je fasse 40. Et une fois qu'il est chargé, je fais ça. Si je le fais trop vite, ça déconne. Et là, par contre, vous voyez, ça le charge pas, c'est trop bizarre. Pum, pum. Et le 40. Et il ne nous restera plus qu'une rangée et on sera bien. Wouhou! Donc maintenant, c'est 54. Passe plein de la réglementation, mais ceux qui ont abusé de l'influence forcé à légiférer pour empêcher les abus. Oui et non. En fait, le truc, c'est qu'on avait déjà. Genre, tu sais. Autant, par exemple, j'ai trouvé ça très très bien à l'époque quand ils ont sur YouTube et sur Twitch, ils ont mis, tu sais, la possibilité que tu coches une case et t'avais contient une communication. En fait, non. Ce que je critique, c'est que c'est ultra hypocrite parce que tu vois, ils veulent afficher en gros publicité, machin, et trucs et tout. Au cinéma, t'as des placements de produits partout. Pendant les placements de produits, t'as pas écrit publicité, en fait. Dans tous les films, t'as des placements de produits partout. Genre, vraiment partout. Et t'as pas écrit à chaque fois publicité. Donc, tu vois, c'est juste ultra hypocrite, en fait. Que tu l'as... Que tu... Soit tu mets tout sur un pied d'égalité, soit tu mets pas tout sur un pied d'égalité. Je suis désolé, à la télé, il y a les jingles publicité, mais dans les publicités, il y a pas écrit publicité. C'est la même chose. Pourquoi il n'y a pas écrit en gros publicité? Les clips de musique, c'est pareil. Ouais, tout ça. Soit tu l'appliques à tous, soit tu l'appliques pas à tous, en fait. Et c'est pour ça que autant je trouvais ce que YouTube a mis en place, et où tu as un petit message discret qui dit contient une communication commerciale, et pour moi, ça a du sens, effectivement. Parce que bon, faut quand même le dire. On est à combien? 52 ou 51? Bon, je vais voir si c'est la même image. Un doute. Non, c'est pas la même image. 52. Mais bon, voilà quoi. Mais mais dans les films, les marques payent pour être dans les films. J'avoue.
Il a eu 0 sur 20. Ok, ne crache pas. Non, mais bon, écoutez, on fout des publicités partout. Hein. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Non. C'est marqué à la fin du film, ouais, c'est marqué à la fin des crédits, quoi. Tu vois, c'est même pas indiqué. Mais dans ce cas-là, pourquoi du coup tu fais deux choses très différentes en fait pour la même chose au final? Je compare au cinéma parce que pour moi la meilleure comparaison possible parce qu'on parle de d'acteurs qui mettent en avant des choses là où pour nous c'est aussi des personnalités entre guillemets. Hein, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais c'est pour moi ce qui est le plus comparable. Wouh! On a fini! Allons voir du coup là-haut. Il va penser à remercier et puis de faire ça gratuitement. Ah ouais, écoute. Alors. Ouais, ça va, ça passe! C'est à chier, mais c'est pas grave, écoutez, on l'a fait. L'important, c'est l'idée. Ouais, c'est du écran OLED, y a pas de doute. Oh putain de merde. Dangereux ici. Hein. Je lui marque un petit mot pour Sunnyside. Pensez que ça marche si je. On va voir si elle le dégroove. Hello Sunny. Never told me you like beautiful and shiny things. Cherche jongleur de cirque. Ouais, on peut écrire vraiment un truc bâtard. You like beautiful and shiny know you think this place is beautiful because Tebow comment on appelle ce. Putain, c'est quoi le mot? Je sais même pas en français. Se vanter, vanter. C'est rant. Brag. How rich is. But I mean. Look at this place. You are sleeping in a train.
Un seul N à Shiny. C'est Bragged. Ouais. If you are interested, I still got place in my castle. Yes. You read it right. Castle with wine. Gardens. Contains. Swimming pool. Dolphins. Gags. Marble. Let me know if you want to visit and maybe move in. And don't worry. I have room for Tubo too. I need a clown to entertain myself. C'est quoi, dolphins? Ah ouais, c'est avec un... I can give him a job. Quoi, j'ai pas corrigé Brag. C'est quoi, c'est Brags? Jester, ouais, ça fait, c'est un bouffon, un Jester, c'est ça? Je crois que c'est ça, c'est un bouffon. Attendez, Jester. Ouais, ça va mieux, ouais, c'est parfait. Ça va mieux avec le thème château. I can give him a job. Hello, Sunny. It's APR. So you comment on peut dire I can give him a job pour que qu'ils puissent continuer à traîner ensemble. Ouais, like a hobo. Non, je vais pas mettre Itzaï Pierre. On va mettre à la fin. So he can buy you nice things. Là, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Oh putain, le truc de bâtard. Sign. Oh. Sunny. Attendez. Your sincerely. Your truly, ou je sais plus comment on signe. Lord Ivier. Yours truly. C'est vrai que je suis un lord. Hein.
Je vais juste mettre Fort Sunny. On va mettre un petit chest. Ah, ah ouais, dans un cadeau. Mais par contre, Sunny, j'ai pas son... On peut l'avoir, je pense. Gift. Non, c'est présente, je crois. Et c'est juste du papier. On va le mettre en jaune, hein, ça fait un peu goldé. Color en jaune. Oh! Il doit bien y avoir des fleurs dans le coin. Non, le lit, c'est pas grave, elle est vivante, donc même si tu le pètes, c'est pas gênant. Quand ils dorment dedans. Toujours ces zombies de mort. Ouais, ça autocomplète, mais sauf que c'est des chiffres maintenant, donc je sais pas. Sunny, je sais pas quel. On va le mettre sur son lit. Hein. On va le mettre là. Ouais. Son nom binaire. Ah, il y a QSMP21, ouais. Wait, what? Ils sont tous. C'est que les anciens? Il y a un endroit où on peut voir. C'est QSMP. Attends, mais pourquoi il y en a un qui a un numéro et l'autre non? Parce qu'il y a Amparada et Sunny. Sur la map, ouais, c'est possible. Ils sont cachés. C'est Sony. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Voilà! Faudrait qu'on ait un tableau quelque part.
Comment on dit un tableau? Board. Ouais, sheet or board, ouais, c'est parfait. Bon bah, let's go! On va voir si on va réussir à séduire Sony. Allons à notre château. En plus, quand on va se taper ici, on va être face aux statues. Mais celui-là, je le bougerai peut-être à terme. Oui, bah, séduire, c'est pas forcément. Séduire, c'est pas forcément dans le sens acte. La séduction passe par. Enfin. C'est pas que pour charmer. Charmer, même charmer, ça peut être utilisé autrement. En affaire, tu peux séduire quelqu'un. C'est pas pour le baiser, enfin si, mais pour du pognon. Un vendeur séduit un client. Vrai qu'au final, c'est toujours pour baiser, mais bon. C'est la profondeur de la langue française. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit les problèmes de traduction. Parce que séduire. Seducing en anglais, je pense que ça peut. Si, ça peut être utilisé pour d'autres trucs. J'avoue, je sais pas trop. Faut que j'aplanisse un petit peu ici pour le plan des statues. J'aimerais bien faire une statue de pomme pour son retour. Va falloir qu'on terraforme comme des porcs. Oui, je sais que c'était prévu dans le live 24 heures. C'est pour ça que je me dis, là, je pourrais peut-être faire la pomme, la... On pourrait peut-être bosser un petit peu sur la statue, là. Regardez ce qu'il me faut pour un... comme ingrédient. Et en fait, commencer à juste poser par terre les... Le cercle, on va la mettre au centre, faire le demi-cercle. Ça, je ferai un peu en parallèle, de temps en temps, des statues, des œufs, des trucs comme ça. Mais ça peut vraiment rendre bien, je pense. C'est une bonne idée. Je veux juste aplatir cette zone parce que. C'est quand le prochain live 24 heures? Oh, on en refera un, mais. Semaine prochaine! Ah ouais, semaine prochaine! Ouais, normalement, je pourrais le faire. Mardi. Mardi et vent. Ah, ils vont m'emmerder, hein. Ah oh, putain, c'est vrai. La nuit, c'est trop chiant. Sauf qu'ils font aucun dégât, mais. Faire semaine prochaine, je pense. Mardi et vendredi, streamer en journée. Ouais, c'est quand le vlog de Vegas? Ouais, faut que je fasse, ouais. Le truc, c'est que lundi, je dois aller pour changer mes pneus, là, le pneu crevé. Jeudi, je dois aller à la banque.
Pas assez de jours dans la semaine, hein, je vous jure. À quand une banque qui me sponsorise? Alors, figurez-vous. Ça arrive. Mais j'ai pas encore toutes les infos, mais il faudrait que je les aie d'ici bientôt parce que c'est au mois de décembre. Je rêve d'une banque qui écoute. Ma banque m'écoute très bien. En vrai, c'est parce que je suis en banque privée. Mais je pense que ça aide. Mais non, là, on va. Je vais avoir un truc avec une banque, là. C'est imminent. Je pourrais participer aussi. Mais j'en dis pas plus. Ah, la banque alimentaire, et non, c'est pour autre chose. J'ai pas vu d'ailleurs cette année les trucs de... pour donner pour ça. Ils étaient dans les supermarchés, les Restos du Cœur et tout. Habituellement, chaque année, je les vois, et cette année, j'ai pas vu. Où tu fais tes courses, puis tu prends des petits trucs en plus et tu les donnes. Ah, vu aujourd'hui! Ok, ça commence soon alors. Ok. Je m'étais étonné de ça, justement. De... Bon, bah, prochaine fois que j'irai faire mes courses, là, hop. Aujourd'hui, d'accord. Bon, bah voilà. Comme quoi! Ça commence ce week-end. Non, non, non. Oh, non, mais... Ça peut aider quelques personnes. Hein. Le truc, quand tu fais ça, faut penser, tu vas les voir d'abord et tu leur dis... T'as besoin de quoi? Parce que s'ils ont 90 kilos de pâtes et rien à côté, au moins ils peuvent te dire « Ouais, plutôt ça, parce que ça, on en a déjà trop. » T'intéresse de te faire parrainer à... Ah non, mais banque, c'est pas la peine, les gars. Je me fais parrainer de rien du tout. Je vais pas changer de banque. Oh, du bon terraforming à l'ancienne. Bon. Regarde en fanart Discord. Attends, je suis en train de me faire... Gangbang. Ah, les putains de... Spectre. Oh! J'ai pas encore vu, mais j'ai eu indirect justement une info intéressante. Ok, il va y avoir des trucs. Enfin, j'ai vu Jean-Michel Alix qui avait fait un truc de ouf encore. En vrai, elle est sympa la statue qui a été faite. Ça manque de texture, mais...
Non, mais je vais faire celle de Lord Finn, elle est trop exceptionnelle. On a dit qu'elle faisait combien? 32 sur 32, je crois. Bah, en vrai, on peut imaginer des statues qui partent de là. Ok? De là à là. Et si on fait un arc de cercle... Attendez, c'est simple à calculer. Disons que la première statue est là. Vraiment sur les côtés du château. Allez, genre 1485 jusqu'à 1620. Donc on a 135 de diamètre avec le centre qui est ici. 1530. Donc 1665. Non, c'est moins. 1400, 1300. Wait, what? Ah non, parce qu'il faut faire un rayon et non pas un diamètre. Combien on a dit? 135? C'est ça, hein? 1620 à 1485. Donc 135. Donc 68. À 68 à peu près. Donc 1530 moins 68. Moins 38. 1462. Ouais, en vrai, il faut que je la construise ici, à peu près. En vrai, ça sera bien, hein. Pour vous donner une idée, elle fait combien de hauteur? Ouais, j'avais vu les statues de tous les œufs, mais je vais en faire des petites pour les autres et des grosses pour celle-là. Non, arc de cercle, on va les faire. L'idée, c'est de faire un pur arc de cercle. On tracera un trait, on verra après. Par contre, en hauteur, elle est un peu folle. Elle fait... C'est quoi les blocs? Ouais, il y a beaucoup de blocs de coraux, mais ça se ferme. C'est quoi comme bloc? Ok, après c'est de la deep slate. Après ça, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on lui fera pas un aussi gros piédestal. Pour calculer vite fait la hauteur, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, plus derrière 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Elle fait entre 60 et 70 de haut. Donc on est hauteur 70, ça monte à 140. Après, c'est le haut-haut. En vrai, c'est plutôt... Faut que j'enlève 20 par rapport à sa tête. Donc 120. Voilà. Et donc, elle faisait 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16. Pas si.
fait, hein, c'est compté à la va-vite. J'ai besoin de savoir ce que ça donne de l'autre côté, pour voir si on la met plus derrière, si... Impeccable. Je pense qu'on est bien. Ah bah il est là, Vincent. Ah, on est bien. En vrai, on est très très bien. Impeccable. Pas plus loin, parce qu'après, on a le problème de l'ombre. Non, non, c'est pas mal. Ok, on prend juste le centre, parce qu'on se fait pas baiser sur le centre. Je veux pas qu'elle soit offset. Non, c'est bon, on était bien centré. Ouais, c'est bien. J'aurais dû construire un plus haut. Ouais, on va juste terraformer cette zone-là, comme ça sera prêt à être build. Ça fait du bien de reconstruire des trucs, non? Et pas se taper sur la gueule. Et bon, je prévois toujours de faire la giga machine à XP aussi, hein. Mais bon, on aura besoin d'étoiles avant pour ça. On va terraformer juste ça pour l'instant, ça sera déjà pas mal. Bon, après c'était marrant le purgatory, il y avait de la tension, mais bon. Pas venu pour me battre, hein. Pas venu pour pleurer, moi. Comme ce Freezy qui a écrit bonsoir tout le monde et j'ai lu bonsoir toutes les merdes. Je sais pas pourquoi. Mode boom. Intouchable, les amis du poulain. Putain, mais qui c'est qui est nul à chier en blind test là? Entre ça et tout à l'heure, les visiteurs là. Ils se dénoncent.
Parce que le level est négatif là. C'est clairement le livre de la jungle. On entend Mowgli derrière. C'est bien, ça va me forcer à terraformer ce côté, comme ça le château aura des belles vues de chaque côté. En vrai, c'est une bonne chose, c'est un mal pour un bien. Bébou! Spoof me, daddy. Y a pas moyen de créer des coraux. En plus, je crois que c'est cela. Hein. Non, ça se crafte pas. Wait, y a pas de craft. Je croyais qu'il y avait des crafts pour les coraux. Ouais, j'ai un schématique pour la statue de pomme, mais on peut pas mettre de schématique sur le serveur. C'est huge. Ça fait 32 x 32 x 70. Ouais, après je voulais pas mettre le schématique en vrai. Hein. Je voulais le faire au feeling, au fur et à mesure. Enfin, au feeling. Je vais reprendre ce qui a été fait. Alors parce que autant pour faire des châteaux, des jardins, toutes les formes assez symétriques, j'aime bien. C'est peut-être mon côté scientifique. Mais après les organiques c'est très particulier. Je suis vraiment nul à chier pour ça. Mon côté cartésien, ouais. De pas trop remplacer, mais bon, comme ça. On verra s'il faut qu'on aplatisse tout ou pas. Après, je l'ai fait de l'autre côté, ça se fait, c'est pas... Pas si je veux... Après, si je veux tout aplatir de ce côté, je suis à la bonne hauteur ou pas, oui. Oui, oui, c'est au moins ça qui est bien, c'est que je suis à la bonne hauteur. Mais je pense pas que j'ai besoin d'aplatir de ce côté-là. On verra. Téléfoot. Ça vient d'un film.
Ça existe encore? Le foot, oui, mais téléfoot. Oui, mais ils ont plus les images de la Ligue 1, comment ça, attends? Genre, ils ont plus les droits? Bonjour, c'est Télé NBA. Aujourd'hui, on va parler de NBA, mais on peut pas vous montrer les images. Cette merde. Donc je ressorte mon paint pour savoir ce que j'avais prévu aussi de l'autre côté là. Là où il reste les deux zones pour faire les jardins, là que je vois qu'est-ce que je fais. C'est vraiment les deux trucs qui restent dans cette zone-là. Prime Video a les droits pour l'émission de foot, mais qui va regarder ça sur Prime Video, quoi? Comme me dire que Disney a les droits pour le catch, quoi. La L1 est diffusée sur Prime! Non mais Amazon, ils ont trop de pognon. Ah, après, ceci dit, c'est pas mal, les gars. Prenez Prime Vidéo pour regarder le foot, mais n'oubliez pas votre Twitch Prime ici, hein. Black Panther. C'est du Hans Zimmer, c'est tout ce que je sais. C'est possible, oui. Je vais faire de ces chiottes. J'ai de la déco décommodée là. Pas de patrouille? Bon, il n'y a plus pas de patrouille maintenant. Maintenant, c'est Bluey à la mode. C'est beaucoup mieux que pas de patrouille, by the way, mais. On va faire vite fait, hein. Hop.
Les petites updates comme ça, c'est quand il refresh la vie aux distances. Merci TM7, merci KMA, merci TetaPoint. J'ai pas suivi depuis 2 semaines. Oh bah t'as pas loupé grand chose puisque c'était le purgatoire, donc t'as rien raté en fait. C'était useless. Enfin, sauf pour ceux qui aiment faire pampan cucu. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours le hype challenge. On est à combien? 338 000 sur 450 000. C'est dead, hein. Je stream pas demain. À moins que d'un coup nous ayons. Combien il faut? 500. Il manque combien? Non, c'est mort. 50, 100 000. 50 000, c'est 100 subs. 100 000, c'est 200 subs. Ouais, il manque 250 subs, quoi. Où sont les Katari quand on a besoin d'eux? Merci, Zenart. Ouais, c'est un cheval squelette. Quand il y avait eu des auras... Quand il pleuvait tout le temps, là, j'en avais qui avaient spawné... Merci Audrixan, alors que les Twitch Prime pleuvent. Boum, incroyable. Chouchou! Le soleil vient de se lever. Le soleil qui passe à travers les vitraux. Ça existe plus les pubs Ricoré, hein. Merci Anna. Putain, mais eux ils ont droit à leurs œufs et nous on n'a pas le droit à pommes là. Alors qu'elle pourrait traîner avec moi là. C'est scandaleux ça, monsieur. Pourquoi tu manges de l'herbe, mec? C'est juste pour faire un rond, hein, c'est un peu plus joli, hein. Bon, moi c'est éclairé. Ah, petit terraforming là. Merci Bilba, merci Carl Wigo, merci Vatrier. Parce qu'on a envie de finir juste ce bout là.
Comme ça, c'est fait. Ouais, on peut virer toute cette colline-là, là. La garder que jusque-là. Sony a donné réponse. Bon, on va lui laisser quelques temps là. Tobo est parti, Sony aussi. Je la croiserai à un moment donc. Wouhou! Les joies du terraforming. Comment on dit compatriote? Non, c'est pas compatriote. Avis de recherche, ça se dit comment? Search notice. Un warrant, c'est un avis de recherche, c'est plus. C'est long le terraformer, hein. Tu vois, toujours pas de drapeau? Bah si, regarde, j'ai mon petit drapeau français. Ouais, faudrait que je leur demande pour les drapeaux, mais bon. En ce moment, je pense que ça doit lourer à fond. Faut suivre le rythme avec la musique.
Oui, la symétrie wand fonctionne, mais ça sert à rien quand on fait du terraforming. Ça a aucune utilité. Le chat est pas resté au fait, c'est barré je crois. Hop! Là je finis juste ce bout et... Bon, au moins Bebou is doing good. C'est la bonne nouvelle. Bah let's go, ça on peut virer stylo panthère là. On va faire une usine à bois avec des placeurs pointeurs vers le bas des Indari qui font le tour de l'île. Bah parce que ça marche, enfin faut terraformer et tout avant en fait, ça marche pas comme ça. Et ça prend certainement beaucoup plus de temps à faire comme ça qu'à terraformer classique. Ah, damn. C'était quoi d'ailleurs le ah. J'arrive pas à savoir ce que c'est comme bloc. En vrai, je pense qu'on peut faire une base en comme ce qu'on utilisait pour le reste en calcite. Mais bon, il me faudra les dimensions exactes. Écoutez, au moins, voilà, on a la cible. Au moins, c'est terraformé déjà, ça. Ouais, on a terraformé, ouais, tout ce bout-là. En peu de temps, c'est ok. On pourra garder ce petit relief, je pense, c'est pas gênant. Oh, on peut aller vite fait se balader, récolter des coraux, là, en mode chillax. Où est-ce qu'il y a un... Ah non, faut mettre en... Un océan chaud, je crois que c'était ici, hein. Pas lukewarm, hein, faut hot océan, non? On trouve un océan chaud, hein. Ouais, lukewarm, ça marche pas, hein. C'est warm au mieux, c'est ça?
Ouais, faut que je trouve un warm océan. Là. Ok. C'est où le plus près? Fait, c'était quoi ça? J'ai qui ici? C'est Bagic, faudrait que je retourne voir. C'est Rivers?